Comme vous le savez, dans le dojo qui nous sert de studio s'entraînent les équipes québécoises et canadiennes de judo. Ça n'a pas empêché l'équipe de Sport Sans Limite d'aller à la rencontre d'un maître qui pratique d'autres types d'arts martiaux. 30 secondes, un peu plus vite les kicks! Moi, j'aime tous les arts martiaux. Ça nous donne la confiance que tout est possible si on s'applique. Quand c'est plus difficile, mais j'ai toujours espoir que je vais réussir à m'en sortir. Puis ça, je pense que les arts martiaux ont servi à me forger cette force de caractère-là. Je me nomme Pascal Renaud. Je suis le directeur technique des centres d'arts martiaux de karaté, Kanomi-Kata. J'ai des élèves de 3 ans jusqu'à 50 ans. Nous sommes au gymnase de l'école Louis Fréchette à Repentigny. Moi et mon garçon Toby, on installe des tapis dans la salle, comme ça on prend une partie de la salle pour pouvoir s'entraîner. Puis j'ai ma femme Nancy qui présentement est en train de les placer. Parce que quand on fait les mouvements, on pratique beaucoup de sol, puis parfois des projections. Ça nous sert de protection pour encaisser les chutes. Ce que j'aime de Kanomi-Kata, c'est vraiment l'environnement de famille. T'sais, Sensei, il y a toute sa famille qui fait du karaté. Puis on se sent vraiment rarement jugé. Ça veut vraiment nous pousser à notre meilleur. On va commencer avec le yoko de côté. Levez le genou avant d'allonger. Os. Mon nom, c'est Saro. J'ai 15 ans. Ça fait bientôt 6 ans que je fais du karaté avec et du jiu-jitsu avec Pascal Renaud. J'ai commencé les arts martiaux dès 7 ans, à l'âge de 7 ans. J'avais passé ma première ceinture noire à 14 ans, et puis dans ce temps-là, mon rêve était de devenir champion. Puis je faisais partie de l'équipe canadienne et je faisais beaucoup, beaucoup de compétitions à travers les États-Unis et le Canada. Pareil de l'autre côté. J'ai perdu la vue suite à un accident d'auto en 1987. Les conséquences de ça, c'est que j'ai eu un problème au niveau des cordes vocales. Donc aujourd'hui, j'ai une stomie, puis j'ai perdu totalement l'usage de la vision. Mawashi Giri, ça l'a pris comment, Mawashi? Pointé. On vise les oreilles. Pitch! Après l'accident, j'ai dû réorienter. Puis c'est pour ça que l'enseignement est devenu plus accessible pour moi que le niveau compétitif. Yo! Mon but au début, c'était de partir une école pour les malvoyants. Quand je compte, faites un pas et rapprochez, deux kicks. Et changez de barre. Le sort a fait que mes élèves que j'ai eus étaient des personnes voyantes. Pitch! Puis de là, j'ai continué, puis ça s'est rendu ce que c'est devenu aujourd'hui. Un jusqu'à 27. Pitch! Mi! 100! Si on recule de 25 ans, les mentalités n'étaient pas aussi, disons, ouvertes qu'aujourd'hui. Alors, c'était plus difficile de convaincre les gens que j'étais capable. Même au niveau du milieu des arts martiaux, tout le monde pensait que c'était impossible. Mais j'étais entêté, puis j'ai prouvé, je crois, que ça fonctionne. Attention, fais ça rapide. Un. Éclair. Deux, trois. Non, l'autre main. Non, bien comme tu crois, là. Au côté. Hey. C'est sûr que sa technique est différente d'un coach voyant. Dos droit. Kick. Mais j'aurais pas pu vraiment avoir un meilleur coach. Très bien fait. Vise le centre. Si tu frappes à côté, ça marche pas. Vise le centre de ton nom. La manière qu'il se débrouille avec son handicap visuel, c'est vraiment cool. Hey! T'oublies pas de tasser ta jambe. Hein? C'est ta jambe en premier. Hey! J'ai fait beaucoup d'études en biomécanique. Okay. Quand je leur enseigne, je vais soit toucher à leurs hanches, soit toucher à leurs épaules. Selon l'angle du bassin ou l'angle des épaules, ça me permet, moi, de voir en trois dimensions que fait le reste de leur membre. Puis de cette façon-là, je peux les corriger et tout ça. Okay. Il écoute beaucoup. Et il ressent beaucoup les mouvements que l'on fait. C'est surtout ça. Il est très bon pour tout décortiquer le mouvement, pour nous l'expliquer. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile pour nous d'appliquer la méthode. Mon nom est Samy Noir. Je suis un étudiant de Sensei Pascal Renaud depuis 8 ans en karaté et jiu-jitsu. Chaque élève est responsable d'aider un élève moins avancé que lui. Alors, si je suis ceinture verte, mais j'essaie d'aider une ceinture blanche, une ceinture jaune, et ainsi de suite. On s'assoit dos à dos. Hajime! Le karaté, c'est pas un sport individuel. Il y a des combats, puis du jiu-jitsu non plus. Il faut avoir quelqu'un. Fait qu'on va se mettre en équipe. Fait qu'on fait souvent des entraînements deux par deux. Mais là, au lieu d'avoir deux paires de yeux, mais j'en ai 12 sur le plancher. Là, tu vas y aller. Écarte. Assez
c'est correct, il va lâcher éventuellement. J'ai plusieurs sortes de niveaux de compétitifs. Je commence mes élèves à un niveau plus provincial. Présentement, on se prépare pour le Québec Open, qui est une des plus grosses compétitions qui se fait au Québec. Mais mes grands élites, on a même gagné ce qu'on appelle en jiu-jitsu le New York Open. J'ai formé 3 champions à date pour le New York Open. C'est toute l'Est des États-Unis qui sont là. Puis ça m'est arrivé 3 fois d'aller chercher une médaille d'or au New York Open. De compétitionner à ces hauts niveaux-là, mais c'est mon but. Moi, je fais les arts martiaux pour aller chercher des défis. Aujourd'hui, j'en retire une grande fierté. Mais ce qui est encore plus plaisant, c'est de voir les autres qui nous redonnent. Les élèves sont fiers de compétitionner pour moi. Ils savent que notre école est spéciale. Ils savent que ce qui se passe ici, ça se passe pas nécessairement ailleurs. Puis ils ont toute une fierté de prouver qu'on est capable de compétitionner. Dans les compétitions, on est vraiment les seuls que notre coach est non-voyant. Puis on réussit quand même à avoir des premières places, plus premières places dans des compétitions de karaté ou de jiu-jitsu. Puis ça change pas vraiment grand-chose qu'ils soient voyants ou non. Là. OK, viens avec moi, Luigi. L'adversaire me contrôle en yoko. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en arrière. On allonge une jambe, on insère le genou et on le ramène en garde fermée. Est-ce qu'on a compris? Go! 2 par 2! C'est un être exceptionnel comme on en rencontre peu dans notre vie. C'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est vraiment les termes là, qui me viennent à l'esprit dès qu'on me demande de parler de lui. Mon école s'appelle Okano Mikata. Mais ça, en français, ça veut dire une autre vision. Mon école, en gros, c'est ça. C'est une autre vision. C'est une autre façon d'approcher les choses. C'est une autre façon de voir les défis. Puis de pas s'arrêter aux premières embûches.